Salut tout le monde, c'est Mouzolo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui pas Battle Royale mais créatif, parce que comme vous l'avez vu au titre, on va tester des codes de map au hasard pour peut-être avoir la chance de trouver des maps totalement secrètes, totalement enfouies dans Fortnite, qui sont peut-être incroyables mais que personne n'a jamais joué. Ou peut-être qu'on va tomber carrément sur des codes de map d'îles extrêmement connues, je sais pas. On va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère qu'on va quand même tomber sur des maps incroyables, on va pouvoir les tester. Et si ça se trouve, trouver une map coup de cœur qu'on adore. Mais avant de commencer à aller taper tous ces codes pendant je sais pas combien de temps, parce que là je suis parti à tourner mais je sais pas combien de temps je vais y rester. J'espère que ça va pas être long. Mais bon, peut-être que je vais y passer 3 heures, j'espère pas du tout. Mais bon, pour l'instant c'est pas le sujet, parce que j'aimerais remercier ces 10 dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si vous voulez du coup, comme eux, passer dans l'une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça fait super plaisir. Du coup, c'est parti, let's go. Ok, on est sur Fortnite. Alors là, cet onglet jouer ne nous intéresse pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va directement dans l'onglet recherche. Et là, on peut mettre chercher le nom ou le code d'une île. Alors, on va taper des codes. Le problème, c'est qu'avant, t'avais juste à taper tes numéros et ça mettait déjà les tirets, et du coup tu voyais normalement à peu près où t'avais, où t'étais rendu dans tes numéros. Mais là par exemple, si je tape ça, bah je sais pas si je suis à 12. Donc là, si ça se trouve je suis à 12. Voilà, j'ai de la chance, j'en ai tapé 12 direct. Mais bon, si ça se trouve j'aurais pu en taper 13 et j'étais pas sûr. Du coup, peut-être que des fois je vais me foirer mais que je vais pas le voir. Du coup, j'aurai le seum, mais c'est pas grave. Donc là par exemple, imaginons, si là ce code marche, il y a zéro fail. Si ce code marche, vous devez tout de suite mettre un pouce bleu. Bon bah, il n'y aura pas de pouce bleu. Non, déconne. Même s'il n'a pas marché, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, pour commencer, on va essayer de taper des codes assez normaux. Enfin, je pense que la première map qui a été créée, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 12 zéros. Si ça se trouve, c'est que des zéros, on ne sait pas. Non, on va essayer avec 1. Non plus. On va mettre, je sais pas, 2, 3, non, 4, 5, non plus, 6 non plus, 7 non plus, 8 non plus, 9 non plus. Ça marche pas. Je sais pas, tiens, on va en taper un au hasard. Voilà, on a mis ça. Si ça tombe vraiment sur le même, j'ai trop de la chance. Non. Et pourtant, regardez, imaginons, on prend ça. Regardez toutes les maps qu'il y a. Impossible. Regardez tout ça. Comment ça se fait que là, même, j'ai pas trouvé déjà un code? Bon, je me précipite un peu, mais c'est pas normal. On va retaper. Ok, j'ai une petite idée. On va faire 9, 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 9. Voilà, si ça se trouve ça marche. Non. Peut-être. On remplace par des 8. Les 1, est-ce que ça marche? Ça marche! Mountain Zone Wars. 1-1-1-1 code. Elle s'appelle comme ça la map. Qu'est-ce que c'est que ça? 1 contre 1. Map, la map. Oui. La description c'est test. Ok. Mettre cette map en privé. On va tester la map tout de suite. Si ça se trouve, c'est une map incroyable. On sait pas. On y va tout de suite. Ok, on lance la map. Mountain. Là, franchement. Map code, hein. Wesh, il est fier le gars de son code de la map, hein. Mais ça m'a pas trop l'air de montagne là. On peut pas sprint. Ok, du coup c'est un, ouais c'est un build fight quoi. J'ai l'impression. Okay. Oh. La map est pas dégueu, mais attendez, c'est quoi l'intérêt? On peut pas se poser dessus. C'est pas grave. B. Je sais pas ce que c'est. Bon, celle-là, voilà, c'est une map qui sont... Des maps qui sont assez jouées, les maps 1v1, voilà. Du coup, on va tout de suite retourner au salon et on va tester tous les codes possibles. Non, quand même pas, parce que je pense qu'il y a... Je sais pas combien il y a de possibilités, mais il doit en avoir mais une tonne. Parce que vous savez que c'est 12 chiffres. Du coup, le nombre de possibilités qu'il doit avoir, c'est vraiment impossible de toutes les tester. Du coup, c'est parti. On va essayer de retaper des codes au hasard. On se retrouve quand j'ai trouvé une map
Let's go. J'ai trouvé une map. My Hero Academia, Zone Wars. Wesh. C'est super long. Ça fait environ 25 minutes que je tourne. Et j'ai trouvé que deux maps. Bon, on a déjà trouvé, c'est déjà bien. On va lancer en privé. On va voir ce que ça donne, comme l'autre. J'espère que celle-là, ça va être incroyable. Mais bon, trouver que deux maps en 25 minutes, c'est pas fou. Donc, on va voir ce que ça donne. Si on tombe que sur des maps de combat, c'est dommage. J'aurais bien aimé tomber sur des maps histoire, et etc., des petites aventures. Mais bon, celle-là déjà, c'est My Hero Academia. On connaît. On va voir ce que ça donne. On lance le jeu, c'est parti. Ok, ok, déjà ça, ça va, c'est assez stylé. On peut prendre nos armes comme ça. On prend les armes comme d'hab, hein, un petit barrette, etc. Ça, ça, hop. Et on rentre dans la map. Ah non, on peut pas rentrer, il y a un petit minuteur, ok. Ok, du coup, ça c'est l'arène. Ça, c'est un peu au début de l'animé, non? C'est quand ils font le grand tournoi, là. Bon, là, on a des trucs Rocket League, hein. Je sais pas ce que ça fait, là. On a des petites images My Hero Academia, ok. Et après, c'est assez une map assez classique, je pense. Ouais, map assez... Enfin, pas classique, hein. C'est pas classique, mais... Une map de combat, voilà. Comme on en voit souvent sur... Donc, on va retourner au salon et on va essayer de retryhard les codes deal. J'espère qu'on va vraiment tomber sur une map pépite. C'est parti, let's go. Super long les gens, c'est trop long. Je tape des codes au hasard pendant je sais pas combien de temps. C'est super long. Après, au cas où, je vérifie si il y en a bien 12. Attendez, je suis tombé là. Non, c'est bon. Il y en avait bien 12. C'est impossible de trouver des maps au hasard. C'est vraiment impossible, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gars, j'ai trouvé une autre map. Octogame 2.0. Wesh, 2200 joueurs. Mais attends, mais elle est super connue. 30 joueurs max, horreur, évasion. C'est Squid Game sur Fortnite. Bon, Squid Game, ça date un peu, mais... Enfin, ça date. Ça fait longtemps que c'est assez passé, mais... Je crois que cette map, elle est connue en plus. Ouais, bah elle est connue puisqu'il y a 2000 joueurs dessus. On va mettre ça en public. Et ça a l'air incroyable, du coup, je vais faire un truc de Squid Game. Je pense que ça va être la dernière map de la vidéo. Donc je vais faire une partie Squid Game, tiens, en public. Ça a l'air d'être incroyable, il y a 2200 joueurs dessus. Je vais pas rater l'occasion. Si ça se trouve, je vais gagner, donc on sait jamais. Ok, 29 sur 30. Bon, on a complètement changé de concept. Oui, non, quand même pas. Je teste la map. Si ça se trouve, elle est trop bien, c'est pour vous montrer. Ouais. C'est trop stylé. Là, on a l'argent. C'est ce qu'on veut à la fin. Alors là, c'est quoi? Ça doit être, ouais, voilà. Wesh, lui, il danse. Let's go! Oh, le toit il se ferme! Mais l'incroyable cette map! Dans cette vidéo, on fait une pépite! Ah, mais c'est le truc du gâteau là! Les biscuits! On a le rond. Je sais pas si c'est plus dur. En tout cas, pour l'instant, ça va. Bon, on va pas. Ouais, ok, tranquille. Premier. Je suis premier en plus!
Ouais, je lui tire à la corde. You will now be playing tug of war. In order to win, you must pull the rope using your interact key on the orbs and drop your opponent down below. OK, il faut utiliser sa touche pour interagir. Et je crois qu'il faut appuyer super plein de fois comme ça la tata tata pour ultra rapidement. Je vais mettre mes deux mains là. Je crois qu'il faut faire ça. Et que c'est celui qui fait le plus de points, je sais pas comment. Nous, la team A, nous. Mais les gens, ils ont pas compris, je crois, dans ma team. Non, on va perdre. Y'a un mec qui l'a quitté, wesh. Non. On a perdu. Non. Les gars, dans ma team, vous avez fait quoi, là? Non. Je vais pas en spectateur, moi, je retourne au salon. Je rage quitte. Non, j'ai trop le seum. Y'a plein d'épices aussi dans ma team. Non, j'ai trop le seum. Ok, du coup, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin. Je ne taperai plus de code pendant 6 mois. Bon, la dernière map qu'on a faite, Squid Game, c'est à vous de juger si j'ai peut-être triché ou pas. Peut-être que j'ai pas triché, hein. Peut-être je bluffe, hein. C'est à vous de me le dire dans les commentaires si vous pensez que j'ai triché ou pas. Conclusion, taper des codes aléatoirement, ça sert à rien. Bon, j'ai quand même trouvé 2 maps. Bon, je vous le dis maintenant, la dernière map Squid Game, j'ai triché. Les 2 maps, par contre, que j'ai trouvé avant, la map, les 2 maps pour faire avec My Hero Academia et l'autre, là, avec tous les 1, celle-là, j'ai pas triché. Celle-là, j'ai pas triché. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos potes pour que eux aussi, ils voient cette vidéo. Et aussi, à vous abonner. On vise les 3000 abonnés. Donc, c'était Louis Zolo. Bye.